Alors Simone, qu'est-ce qu'on mange en fin de semaine? Dis-moi, c'est quoi ton menu? Un bon menu pour... Cabane à sucre. De cabane à sucre. Oui. Là, présentement, c'est des pâtes de cochon que je fais bouillir. OK. Je fais cuire, qui va dans mon ragoût de boulet. Uh-huh. J'ai la soupe au pois. J'ai la soupe au chou. On a après ça les oreilles d'écrisse qu'on offre aux gens. Oui. On a le jambon en sirop d'érable. Oui. On a les fèves au lard faites sur pilade, faites maison. Les omelettes cabane à sucre. On a en plus des petites patates rissolées faites maison. Après ça, on a notre ragoût de boulette avec les pâtes de cochon de viande. Après ça, on a notre mijoté de porc et de bœuf. Puis tous les desserts, évidemment. Là. Les desserts, là, les gens vont gâter. Oui. Les gens, là, ils prennent les crêpes. Ils prennent la confiture maison, mais à froid. T'as fraises, framboises. T'as ma crème à l'érable, qu'on dépose sur les crêpes. Après ça, on a la salade de fruits. On a après ça des choux. Des choux à la crème à l'érable. Ça, venez goûter à ça, là, c'est péché. C'est péché. Alors, votre cabane ici est adaptée pour les personnes à mobilité réduite, hein? Oui, c'est ça. Vous n'avez pas aucune raison de ne pas venir à la cabane à sucre au Sous-Bois à Saint-Modeste.